On part en road trip avec une locale. Voilà, on est arrivé ici à San Simeon. Bonjour à tous. Après avoir passé quelques jours chez Déborah, on repart en road trip, mais cette fois on part en road trip avec une locale, du coup avec Déborah qui va nous accompagner pour faire un bout de chemin avec nous. Et là on est en train de packer ses affaires. Bienvenue à Carmel by the Sea. Carmel est un endroit particulier pour Déborah. À l'âge de 18 ans, elle quitte la Floride, là où elle a grandi, et traverse le pays seule avec sa VW Coccinelle de 1962 pour vivre son rêve californien. Arrivée à Carmel by the Sea, ce fut le coup de cœur et elle décida de s'y installer. On vient de terminer notre petite marche avec un coucher de soleil magnifique sur la plage. Et puis là, on va aller prendre un petit verre dans un restaurant, juste dans une rue un peu en dessus. Bonjour à tous. Après le petit verre de hier soir, on est allé dormir, donc nous dans le van, et Déborah a dormi chez une de ses amies ici à Carmel. Là, on s'est levé pour aller chercher le petit déj dans une boulangerie, et ensuite on partira direction Saint-Siméon. Après notre super bon petit déj, on retourne sur la route direction San Simeon. On est arrivé ici à San Simeon. On est venu rendre visite à une amie de longue date de Déborah. Et on va aller bruncher, c'est en fait une cave où apparemment ils font du très bon vin. Du coup, on va aller tester tout ça. It's never gonna happen again. Thanks. Thank you. That is killer. The same. And your cats and I'm... Yes. It's 1,000. I don't know what's... Wow, blue. Do you like blue color? Mm-hmm. Yeah. Mm-hmm. All the turtles. I like turtles. Et nous ne sommes pas non plus dans ce restaurant par hasard. Didi garde ses petits enfants. Sa fille travaille pour la famille Hearst, d'où le nom du vignoble. C'est William Randolph Hearst, né en 1863. Connu pour avoir été un magnat de la presse aux États-Unis, qui fit construire un château, le Hearst Castle, sur la colline de San Simeon. C'est Julia Morgan, dit la première femme architecte indépendante des États-Unis, qui travailla pendant 20 ans aux côtés de Hearst pour faire naître cette œuvre d'art qui est maintenant un lieu historique national.
Il est possible de visiter le château par le biais de tours organisées, mais vu notre court séjour, nous n'en avons pas eu l'occasion. Toutefois, nous avons eu le privilège de visiter le domaine où la famille Hearst organise leurs événements privés, ainsi que la maison de la fille de Didi, qui s'occupe des chevaux des riches héritiers. Par respect, nous n'avons pas filmé à l'intérieur. Bye. Bye. Merci. Merci. Ciao. Ok, après notre superbe visite, on a fait un petit arrêt ici sur la route. Parce qu'en fait, c'est un endroit où les lions de mer viennent régulièrement sur cette plage, que ce soit pour se reproduire, donner naissance, etc. Alors, on va aller voir ça un petit peu plus près. On vient juste d'arriver à notre spot pour la nuit. On est venu ici à ce state park incroyable avec vue sur l'océan et on a eu le dernier spot. On est trop content. Du coup, on va s'installer gentiment. Je viens de montrer la chambre de Déborah, du coup, qui se trouve juste là. Du coup, là, on va installer son lit dans sa chambre. Bonsoir, bonne nuit. Donc là, on ouvre du jus de pomme, du coup. C'est le vin qu'on a acheté aujourd'hui à la cave où on a mangé. The Hearst Castle. Un très bon vin. Content, c'est un des premiers vins vraiment excellents qu'on achète depuis qu'on est ici. Ouais. Pour l'occasion, on a ressorti Johnny Forclaz. Hello everyone. Hello. Salut. Bonne nuit. Tout le monde est prêt pour aller au lit. Du coup, moi, je vais dormir avec Johnny. Bonne nuit. Est-ce que t'as bien dormi, Déborah? Très bien dormi, j'ai très bien dormi. Maintenant, j'ai besoin du café à la plage. Et voilà, après notre super petit déjeuner au bord de l'eau, on repart maintenant en direction Big Sur. Big Sur. Big Sur. Big Sur. Big Sur. Ok, on vient d'arriver à Big Sur, le state park, et on va aller faire une petite balade avant d'aller luncher.
passé un super week-end et on va continuer notre visite de la Californie. Voilà, on arrive à la fin de la vidéo. Comme d'habitude, on espère que ça vous a plu. Un grand merci du fond du cœur à Déborah qui a été adorable avec nous. Merci pour son hospitalité, merci pour tout. C'était vraiment génial de passer du temps avec toi. Merci beaucoup Déborah, on a passé vraiment un excellent moment. Merci. On se réjouit vraiment de se revoir, de repasser du temps avec toi. Merci. Ne manquez pas, le prochain épisode, on sera à San Francisco. Qu'est-ce qui s'y passe? Días de los Muertos, c'est visite de la ville. D'ici là, prenez soin de vous, à la prochaine. Ciao. Abonnez-vous.